Bonjour YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Rasuper, ton pompier préféré du RP. Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau jeu. Ça s'appelle Firefighting Simulator The Squad. Je viens de faire la première mission et j'ai décidé de vous en faire une vidéo parce que clairement, j'ai été très impressionné. Déjà, c'est très beau. Voilà, vous allez le voir. C'est vraiment choupinou. Donc on est au début du jeu. Je me suis dit, je vais vous montrer le début du jeu. Et vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Le jeu coûte moins de 20 boules sur Steam. Et la suite va vous impressionner, je pense. Alors, on va commencer par les petits effets du début. Voilà. Vous voyez ça comme une découverte, ok? Vidéo découverte. Parce que clairement, pour un jeu qui coûte 18 boules, vous pouvez jouer en multi, coopération en ligne. C'est sorti le 17 novembre. Waouh. Déjà, le jeu est full français. D'accord, pour commencer. On a des petits outils disponibles. Avec les outils, on peut les utiliser pour ouvrir des portes avec un pied de biche. J'ai une lampe torche. Regardez l'effet de la lampe, quoi. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Non, vraiment, je vous le dis, c'est incroyable. Regardez! Oh là 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 là, eh hey, vraiment, Rasuper, il vous trouve des jeux. Hop, je pose le jeu là. Ah ouais, merde, je me suis trompé. Je dois le mettre là. Hop. Après, je prends ça. Je force. Regardez-moi ça. Hop, je vais là. Je prends ça. Je vais ici, je force la porte. Hop là. Hein, ouvrez-la avec force. Ah, my bad. Ah non, si, c'est bon. On l'ouvre avec force. Poussez-vous! Regardez comme c'est stylé! Non, mais honnêtement. Non? Après, je joue pas beaucoup à des jeux de pompiers, mais il faut avouer que c'est ouf! Genre, on doit attaquer le mur. Et du coup, la cloison de placo, tu l'exploses à la hache. Hop. Non, mais vraiment, on est juste le boss. Ok, c'est bon, je suis formé. On est formé, mesdames et messieurs. Donc, voilà la carte. Là, vous voyez, il y a des petits incendies. Là, il y a un baptême du feu. Là, il y a un feu de maison, my bad. Là, il y a le centre de formation. Là, on a différentes petites maisons, le centre-ville. Là, il y a Lakeside. Ici, c'est Union. Voilà. Et clairement, je pense que vous allez kiffer. Donc, on débute directement. Pour le plaisir, je vous refais le baptême du feu. Comme je l'ai déjà fait. On va dire qu'on fait comme si j'avais pas fait le début du jeu. Et je vais vous montrer la première chose que vous faites quand vous achetez le jeu. C'est ça. C'est la première chose que vous faites quand vous achetez le jeu. Et je vous le montre, parce que je suis quelqu'un de sympa. Pouce bleu, abonnance, présentation, profitez bien. Central à unité 1, l'incendie s'est propagé au toit de la maison et dans la pièce voisine. Risque d'explosion, de fumée dans la zone. Procédez avec extrême urgence. Une deuxième unité est sur place pour éteindre le toit. Statut d'évacuation de la maison, toujours inconnu. Chut, c'est reçu, pour Colonel Park, c'est reçu. On y va avec les collègues. Bientôt sur place, on voit la fumée. On est là dans une minute, on est là. Centrale unité 1. Chut. Le camion à échelle est sur place. Chut. C'est reçu. J'arrive. Prévenez la police, appelez la dire et appelez peut-être des unités d'ambulance. Chut. C'est reçu. Je me garde devant le bâtiment. Bien reçu. On est arrivé sur place. Chut. Je vous mets dans l'ambiance, tu vois. Quand même. Je vais pas vous laisser imaginer des choses. Au moins, vous êtes dans l'ambiance. Alors déjà, le jour où sur Arma 4 Life, on peut faire ça, c'est qu'on est plus sur Arma 3. Regardez-moi ces flammes. Ça donne envie de brûler des maisons. Non, ne faites pas ça chez vous, c'est pas bien. Regardez comme c'est beau. Waouh. Regardez. Waouh. Putain, c'est un vrai jeu. Regardez-moi ce camion, quoi.
Regardez! Ah, j'ai envie de pleurer. C'est trop beau. On est d'accord? 10 000 vues sur cette vidéo? Non, parce que là, je régale. Là, je vous ai trouvé un jeu. Regardez, ça nous dit où on doit aller. J'y vais, les potos, je rentre. Donne-moi ce alligan. Parfait, je vais m'en occuper, je force la porte. Je force la porte, reculez-vous. Oh non, un abonné. Je vais vous porter et vous sortir de cette maison. Il est inconscient mais non blessé. Il y a quelqu'un dans la chambre du fond. Je le sors. Monsieur, vous allez bien? Je suis pompier. Restez avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait un challenge TikTok et ça a dégénéré. Ne faites plus de challenge TikTok. C'est trop dangereux pour la santé. Tenez, monsieur le médecin, je vous le laisse. Vous êtes sain et sauf, monsieur. Je m'appelle David Park et je suis pompier. Je dois aller sauver votre maison maintenant. A tout à l'heure. Et là, là, vous allez halluciner. Vite, je prends la ligne d'attaque. Vous êtes prêts? C'est parti. Regardez la flotte. Comme elle est stylée. C'est important d'avoir des camions propres quand on est pompier. Voilà. Il a trop chaud, d'accord. Tenez, je lui mets un peu d'eau. Voilà. Non, c'est important de penser aux autres quand c'est ça. Et là, regardez bien. Vite, intervention, il faut éteindre le garage. Pas de soucis. Je vais éteindre le garage. Voilà, dégagez la voiture des flammes, on sait jamais. Elle pourrait exploser. Ok, c'est reçu. Je vais t'aider à dégager la voiture des flammes. Chut. Est-ce qu'il y a des gens? Il n'y a personne dans la voiture. Très bien. Continuez la progression. Ok. Je continue la progression. Il fait très très chaud. Est-ce que vous êtes là les collègues? J'ai éteint la voiture pour éviter un risque d'explosion. La situation est catastrophique. Attention! C'est une voiture électrique, on va tous mourir, la batterie va exploser. Ah non! La drogue. Bon, en gros, vous avez vu, il y a des petites flammes. Et vous devez viser les petites flammes pour éteindre les flammes. Voilà. Le feu est incroyablement beau. Voilà, clairement, je tiens à vous le dire. Et l'eau, pareil, c'est vraiment un délire. Regardez ça. Ah, c'est... Ah, et vraiment, c'est... C'est incroyable. En fait, si vous voulez, j'ai reçu le jeu il y a plusieurs jours. Et au début, j'étais en mode... ouais, bon, ok, très bien, super, encore un jeu, tu vois. Et on a regardé la vidéo sur Steam du jeu. Et je me suis dit, mais attends... bah, c'est pas dégueu, en fait, c'est... Bah, c'est même plutôt joli. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, on va montrer à YouTube un petit peu ce que c'est. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter le jeu. Je vous montre le jeu. Et si le jeu vous plaît... Et bon, on refera des vidéos dessus et au moins, voilà, vous savez ce que vous achetez. Donc, déjà, moi, j'ai envie de vous dire, le moteur graphique, ils se sont pas foutus de la gueule du monde, quoi. C'est vraiment sympa. Alors après, le point négatif des jeux comme ça, des fois, c'est la répétitivité des actions. C'est-à-dire, t'as toujours la même maison qui prend feu. Mais là, on est au début du jeu, donc on va pas apporter de jugement imaginaire. On va y jouer un petit peu et on va voir ce que le jeu nous réserve. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, checker la playlist qui sera en description. Et écoutez, allons sauver des vies et des maisons. Parce que là clairement quand tu vois la gueule du garage, je pense que ça va être compliqué de... Honnêtement ça va être compliqué de faire quelque chose mais...
On va éviter que ça se propage trop aux maisons voisines. Vous voyez ce que je veux dire? Hop là. Bien joué. Et regardez comme c'est stylé. Il y a vraiment le garage en feu détruit avec les textures qui ont changé. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Non? Qu'en pensez-vous? Il y a vraiment le sapin qui s'est noirci. Enfin, c'est vraiment... moi, je dis gros pouce bleu sur YouTube. Voilà, vraiment, je... Excellent. Donc voilà, donc ça, c'était la première mission. Maintenant, on va partir sur la deuxième mission. C'est un autre feu de maison. Et on peut gagner 750 d'XP. Donc, on peut rejoindre une partie en ligne. Alors, je vais pas vous mentir. Je sais pas qui est en ligne, mais au moins, je vous le montre. Si vous voulez, vous pouvez rejoindre vos potes pour partir en intervention et ainsi lutter contre les incendies, vous voyez ce que je veux dire, et potentiellement vous en sortir. Bon, je ne vais pas vous mentir, hein, on va surtout faire ça en solo pour le moment, parce que rejoindre, pour le moment, ça n'a pas l'air trop de marcher. Donc vous faites commencer. Vous êtes sur le point de commencer une mission qui demande un entraînement particulier. Il est recommandé de terminer auparavant les entraînements suivants. Commande des squads, éteins les feux, mise en place des tuyaux. Oui, vous savez... commencer la mission. Parce que je pense que ce qui est important dans la vie, mesdames et messieurs, c'est d'être toujours préparé à la vie. Et quand on est préparé à la vie est préparée. Voilà. Donc, on a un Rosenbauer TP3, qui est un camion de pompiers qui est juste derrière nous. Et j'ai la chance d'avoir avec moi des hommes incroyables. Jack, 47 ans, sapeur de métier de père en fils. Tom, 28 ans, recrue, ancien policier. Et Bill, 21 ans, jeune recrue, mais très 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 grand espoir. Et Monsieur Rasuper, la légende mesdames et messieurs. La légende est parmi nous. Donc ces trois hommes ont la chance de partir en fourgon avec Monsieur Rasuper. J'ai envie de pleurer tellement je trouve que c'est incroyable ce qui est en train de se passer. La chance qu'ils ont. Ils s'en rendront peut-être pas compte. Alors du coup, nous allons tenter de comprendre un jeu sans faire le tuto. Voilà, parce que... Ah, je kiffe. J'adore. Alors déjà, j'ai envie de rêver. Déjà, j'ai envie de rêver. Ah oui! Mais oui, monsieur! Oh là là! Oh, le jeu, il régale. Le jeu, il régale. Je conduis le camion. Et j'ai le klaxon. Poussez-vous! Poussez-vous! Je suis pompier! Poussez-vous! Génial. Mon rêve. Je vais en mettre un sur ma voiture. Alors, on a les clignotants, si on veut. Hop là. Allez, let's go again. Oh là! Horrible. Encore un accident lors d'une intervention des sapeurs-pompiers. Ce jour... Oh, conduit mieux! Le colonel Park aurait... sur un élan, accident de la route, impossible. Un nouvel accident de la route serait à déplorer dans le tunnel ouest. Un véhicule de pompiers aurait percuté volontairement 4 véhicules de citoyens, ne voulant pas se pousser à sa vue. Faites attention, les pompiers sont de sortie. Donc là on est à 50 km/h. Poussez-vous! Dégagez! Je vous mets le son à fond pour que vous soyez dans l'ambiance. Poussez-vous! Allez, ça dégage! C'est génial! Quel plaisir!
Regardez, on voit les gens se pousser en plus. C'est une mission d'urgence. Les accidents, ils sont imaginaires. Hop là! Qu'est-ce qu'il y a, bonhomme? Du Revelto, bienvenue. Revelto, j'arrive, t'inquiète pas, j'ai reçu ton message. Je suis avec les bros. Ah ouais, on voit bien que ça crame en plus. Poussez-vous! J'arrive, Revelto, t'inquiète pas, poteau. J'arrive, on arrive, on arrive, on arrive. J'ai entendu ton appel. Il y a un souci chez toi. T'inquiète même pas. Dégagez! Ah ouais! Allez les gars, on se dépêche! On met en place une ligne d'attaque directement! C'est bon, je suis garé? Ah, je suis pas garé correctement. Allez! Go, 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 go! Commandant, nous avons de nouveaux départs de feu électrique causés par des étincelles. Compris, chef. Je vais faire une inspection 360 degrés. On a besoin de tout le monde, les gars. Tout le monde. 360 degrés. Il y en a qui partent à gauche, il y en a qui partent à droite. Twitch, allez à gauche. YouTube, vous partez à droite. Je veux une inspection complète de la maison. Pour qu'on puisse attaquer. Écoutez la musique. Quel plaisir. Retirer le cordon. Retirer le cordon. Ouvrir. Ah ouais. Mais c'est trop bien. Regardez comme c'est beau. Ah, la maison elle brûle. Excusez-moi, j'ai pas trop le temps. Ah ouais, scie circulaire et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, il me faut une hache. Messieurs, toi. Alors j'avoue, j'ai pas fait le tutoriel. Excusez-moi. Vas-y, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Qui c'est qui a la hache? Ah, peut-être que je peux donner les... Vas-y, ne vous inquiétez pas les gars. Pas besoin de tutoriel. Allez, c'est parti. Allez. J'arrive! Vous êtes là? F. Ok. Là, je veux ma lance incendie ici. Toi, tu vas là. Où est la victime? Attachez un torche à votre casque en cas de fumée épaisse. Là, il y a la victime qui est là. 3. Viens secourir la victime, dépêche-toi. Bill. Extinction du feu, de suite. Ah là 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 là, c'est ouf! Police! Empêchez les flammes d'atteindre. Faites gaffe, il y a des dangers! Ok, waouh! On est chez un collectionneur de dinosaures. Fort bien! Est-ce qu'on a sorti la victime? La victime a été sortie! Ok, parfait! On continue d'avancer dans la maison, s'il vous plaît, messieurs. Yes, la victime en sécurité. C'est pas fini, faut couper l'électricité. Trouvez où est le générateur d'électricité. Merde, il y a des dinosaures partout. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Mais sûrement, c'est des jeux bizarres. Je peux peut-être ouvrir les fenêtres. Allez. Voilà, ouvrez tout pour faire sortir les fumées. Je l'ai vu à la télé. Parfait. Tac, tac, tac. On en est où au niveau de l'incendie? Faut couper l'électricité. Trouver l'électricité. Ah merde, j'ai besoin de ma lance incendie. Viens ici.
Oh là 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 là. Ah putain, merde. Ah, j'aurais pas dû ouvrir la porte. Besoin de renfort. Le con. Le con. Il est où, pépère? Bill, ramène vite ton cul ici, ça brûle. Ah, il est là, le compteur électrique, j'avais pas vu. Yes. Merde. Prenez. Putain, baillez-vous le cul. Ça brûle. Elle est où ta lance, à toi? Oh, le con, il l'a laissé dans la maison. Putain, les gars! Merde! Viens prendre la lance! Bill! Bougez-vous le cul! Putain, la baraque, elle va cramer, ça va être incroyable. Dans 4 minutes, la baraque, elle crame, non? Viens prendre ça! Raccourci. Tiens, prends ça. Mais non, mais il est con. Mais non, Bill. Bill. Mais qu'est-ce que tu... Mais Bill. Prends ça. Voilà. Éteins tout. Mais non, mais te mets pas dans les flammes des enfers. Vas-y. Vas-y, reste là, tout de suite. Je vais équiper une autre ligne. Quelle bande de vedettes rapides, je me suis récupéré. Un tuyau d'attaque. Tuyau d'attaque. Raccordé. Ah, c'est stylé de ouf. Ah merde, il me faut une tête. Ah, elles sont les têtes. Ah, elles sont là, les têtes. Ah, c'est trop stylé. Oh, non mais vraiment. Yes, parfait. Vas-y, go. Eh, hey, mes vedettes rapides, là, vous voulez pas aider, vous? Vas-y, toi. Vas-y, viens ici, toi. C'est 3. J'ai un départ de feu dans la cuisine, là. Oh, putain. Vas-y, viens là. Allez, vas-y, dépêche-toi. Ok, il m'en reste un équipé. Je vais vous équiper. Comme vous êtes des brêles et que vous faites rien... Ok. Je mets sur le camion. J'embouteille là-dessus. Ok. Vas-y. Force jaune. Mais monsieur, mais cassez-vous. Putain, on est sur un 4L. Monsieur, il y a un incendie. Eh, plein de forums, directement, toi. Vas-y, viens. Eh, plein de faux, direct, hein. Pas RP, ça. C'est qui, lui? C'est force jaune. Non, c'est force vert. Alors, où c'est que ça crame? Ah, yes, enfin. On va y arriver, mesdames et messieurs. Allez, on détruit tout. Ce jeu est génial. Non, clairement, incroyable. Première fois que j'y joue, incroyable. Ah, c'est incroyable. C'est tellement stylé. Regardez! Il y a toute la maison. Il y a toute la maison qui est en train de prendre feu. Je vais aller les aider, mesdames et messieurs. Bah ouais, c'est des feignants, ça. Non, non, il faut une lance incendie. Alors, je sais pas si dans la vraie vie ils font ça, d'ailleurs, j'en ai aucune idée. J'avoue que... Alors, j'avoue que, par chance, hein, j'ai jamais eu de soucis chez moi comme ça. Mais, est-ce qu'il... Et cette salle de bain dinosaure. Mais est-ce qu'ils pètent vraiment toutes les fenêtres? C'est qui ma vedette, Carose, le voisin? Oh là là, et les baraques ici. Allez. Allez, fais-moi sauter ça. Ok, go, on avance, on avance. Eh, vous avez vu la cuisine? La cuisine, elle a vraiment noirci. C'est fou. Ah, vraiment, c'est incroyable, hein. Ok, parfait les gars, vous vous démerdez bien. Ok, ok, on mène une belle... on est vraiment des professionnels. C'est quoi ça?
Ok, vas-y, je vais me faire une ligne d'attaque. Non, mais monsieur ! Hey, Thibaut, dégage d'ici ! Monsieur Sanchez ! Monsieur Sanchez ! Mais... bordel ! Et c'est du roleplay qu'on fait ici ! Monsieur Sanchez... Mais il y a des plots et tout ! Joueur comme ça, et ça m'énerve ! Blablabla, bla, bla, j'ai pu passer, c'est pas vraiment fermé, M'énerve ! Des gens comme ça qui... M'énerve, les gars qui trollent comme ça, là ! Tiens, dans ta gueule ! Allez, en avant, putain ! Ça brûle ! Allez, les poteaux, éteignez-moi tout ça ! Ah, quoique, c'est vrai que si tu pètes les fenêtres... Oh là 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 là, carabistouille ! Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment stylé. Max de pouces bleus, Twitch, YouTube, honnêtement, est-ce que je vous ai pas décoté un jeu incroyable ? Vous avez vu le feu, comment il se propage ? C'est fou. La propagation du feu, elle est incroyable. Mais vraiment. Et sans faire de didacticiel. Sans faire de didacticiel, j'ai réussi à comprendre comment fallait faire. Vas-y, je vais rentrer. Moi, je rentre direct, mesdames et messieurs. Parce qu'il y a peut-être des abonnés dans cette maison. Et il faut qu'on sauve les abonnés. Ok, il y a cela, il n'y a rien. Vas-y, rentre. Eh, je vais venir vous aider, les mecs, parce que là, vous... Ah, putain, ça m'a fait peur. Je sais pas ce qu'a pété, il y a un truc qui a pété. Je suis obligé de les aider, les mecs. Coucou, Wanzi, bienvenue. Wanzi, je suis en fire. Merci à toi, Wanzi, ça fait plaisir. Si jamais tu veux faire un tour dans un camion de pompiers, tu m'appelles, je viens te chercher. C'est d'accord. Voilà. Non, c'est vraiment cool. Et en plus, ce que j'aime bien, j'ai pas fait le didacticiel. Hein. Eh ben, ils ont fait un truc qui est logique à comprendre. Oui! Bien joué, les gars. On va au camion, on fait le débrief. Bien joué à vous. Bien joué, la team. Bien joué, l'équipe! Bien joué, l'équipe! Alors, Tuchinou, comment vous avez trouvé ça? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'ai eu 3 succès. Conducteur de TP3, vous m'avez sauvé la vie, et apprenti pompier. Temps de conduite moyen, mission time moyen, bonus. J'ai pas fermé les écoutilles. Et j'ai pris un peu d'XP. Et j'ai débloqué de nouvelles choses. Ok. Bah écoutez, YouTube, pour cette première vidéo, on va se laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Et que peut-être je vous ai donné envie de mater d'autres vidéos de ce type. Ou même peut-être d'y jouer. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. On va y jouer un petit peu, je vais vous faire quelques vidéos. Et voilà, suivant un petit peu vos retours, vous me direz. J'espère que je vous aurai fait découvrir un jeu intéressant. Ça coûte 18 boules sur Steam. Il est sûrement sur Instant Gaming pour pas trop cher. Vous irez checker. Fin de l'épisode 1 de Firefighting Simulator avec Monsieur A Super en tant que colonel des opérations et de cette vidéo. À demain YouTube, fin de vidéo, pouce bleu et attention aux incendies, c'est dangereux. À demain, bisous et merci Wanzi, il régale.